Hark how the bells swing. Bonjour! Joyeux Noël! Et oui, nous sommes le 25 décembre et c'est aussi la dernière chronique de l'année. Bon, je n'allais pas décaler ma chronique du lundi parce qu'on tombait un 25 décembre. Tant pis, elle ne sera peut-être pas regardée beaucoup, mais c'est pas grave. Toujours est-il que je vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes. Et pour fêter ça, quoi de mieux que le dernier album de Peter Gabriel? Voici 21 ans que l'ex-leader de Genesis n'avait pas sorti d'album. À chaque pleine lune, au rythme d'un morceau de viande fraîche par mois, Peter Gabriel, tel un lycanthrope, a dévoilé son nouveau disque I.O., décliné à chaque fois en deux mix, le Bright Side et le Dark Side. Aujourd'hui, alors que les 12 titres sont sortis et gravés sur deux CD, la question n'est pas de savoir si j'aime I.O., elle ne se pose même pas. La question est de décider laquelle des deux versions a ma préférence. Oui, parce que voilà, Peter Gabriel, je le pratique depuis mon adolescence, d'abord avec Genesis, puis en solo. C'est même le premier artiste de rock que j'ai écouté en concert. Avec Manu Katché, Tony Levin, David Rhodes et Brian Eno, on retrouve le Peter Gabriel que l'on connaît bien et inévitablement qui ressemble quand même furieusement à ce qu'il a déjà enregistré auparavant. Cela ne me pose pas de problème. Bien au contraire, je suis un fan totalement aveuglé par le talent du bonhomme depuis trop longtemps. I.O., ce sont 68 minutes de musique, une de plus pour la version Dark, qui résume assez bien le travail de Peter depuis So. Un album expurgé des tubes tapageurs qui ont fait sa célébrité, encore que Road to Joy n'est pas si éloigné de ses morceaux à succès. J'ai commencé par écouter Bright Side, et j'ai été surpris par quelques titres. Car Peter publiait chaque mois un nouveau morceau décliné dans l'une des deux versions avant de sortir l'autre mix. C'est dans ce désordre que j'ai découvert l'album, une fois Dark, une fois Bright, selon l'humeur de l'artiste. Du coup, écouter les 12 pièces dans le même mix m'a semblé un peu étrange tout d'abord. Et puis je me suis plongé dans la Dark Side of the Moon en ressentant un peu le même malaise. Il y a des titres que je connais par cœur comme le génial Panopticon qui ouvre I.O. et d'autres que je n'ai pas vraiment eu le temps d'apprivoiser comme le tout dernier sorti le 1er décembre, Live on Death Live. Sur I.O., Peter emprunte encore des motifs à la world music, tout particulièrement dans Road to Joy, Olive Tree, This is Home et Live and Let Live, même si ce dernier commence à la manière des Beatles. Je m'aperçois que je n'ai toujours pas répondu à la seule question qui se pose vraiment sur cet album. Bright ou Dark ? Je suis un grand défenseur du côté obscur de la force, car j'ai toujours préféré les méchants. Mais selon l'humeur du jour, à la faveur d'un rayon de soleil sur la neige, j'opterais pour la version Bright. Était-il nécessaire de presser deux versions ? Sans doute pas. Mais puisque vous avez le choix, choisissez. I.O. ne figurera pas dans mon top 2023, malgré le culte que je voue à l'artiste. Il ressemble trop à tout ce que Gabriel a déjà composé pour en faire un album de l'année, même s'il reste un événement. Allez l'écouter sur Bandcamp, il s'agit probablement du dernier album solo que sortira le maître avant de tirer sa révérence. C'est presque fini pour cette année. On se retrouve encore mercredi pour la nomination de l'album 2023. Vous pouvez cliquer sur le pouce.
si vous avez aimé cette chronique. Et si vous voulez suivre les prochaines, abonnez-vous. À mercredi! Bisous!